Depuis près d'une décennie que se tient cette rencontre des partenaires au développement de l'agriculture et du secteur de la sécurité alimentaire au niveau africain. Cette année, la CEDEAO a saisi l'occasion pour présenter son initiative sur le riz afin d'attirer l'intérêt des bailleurs, des partenaires au développement pour son financement, des appuis techniques et conseils afin que l'organisation ouest-africaine puisse atteindre la souveraineté alimentaire, notamment sur le plan de la production du riz. De réduire significativement d'ici 2035, sinon d'annuler l'importation du riz. Et donc, conséquemment, d'augmenter la production locale de riz à travers des investissements sur les infrastructures routières, les infrastructures d'irrigation, les renforcements des capacités, les industries de décorticage du riz, bref, toute la chaîne de valeur. Donc, la stratégie couvre l'ensemble de ces activités allant dans ce sens. Mais il y a un élément qui est important. On a présenté le rapport de la situation de l'agriculture en Afrique. Et ce rapport dit clairement deux choses. Que lorsque les politiques ont créé un environnement fiscal et politique favorable, ils n'ont pas besoin d'autres choses. Le secteur privé investi. Cette stratégie de la CEDEAO partagée lors de ces forums a une vision de création d'emplois, mais aussi économique, en mettant en avant l'autosuffisance alimentaire pour les pays membres de l'organisation. Ça va créer des millions d'emplois, ça va créer de la richesse, parce qu'en investissant, on a calculé qu'en termes de CAPEX, on a besoin de près de 14 millions, milliards de dollars. Et en termes d'OPEX, d'investissement tous les années, on a besoin de 4 milliards de dollars. Ce qui veut dire, mais c'est quoi? Ça va investir dans la création d'emplois, ça va investir, ça va intervenir sur les jeunes, ça va intervenir sur les industries de transformation. C'est les industries de transformation, ils vont payer des TVA, ils vont payer des taxes. Donc c'est tout bénéfice dans tous les cas. Et l'effet immédiat ou l'effet, l'impact recherché, c'est de réduire l'importation du riz. Et qui dit importation du riz dit perte de devises. Donc si on arrête l'importation du riz ou si on la fait descendre jusqu'à zéro, on a une économie substantielle des pertes de devises qui auraient été occasionnées par l'importation du riz. Et cet argent, le gouvernement peut le réinvestir dans le développement national. La nouvelle politique de la CEDEAO en termes de production du riz ne peut être atteinte sans une amélioration de l'environnement institutionnel et une valorisation des partages de connaissances, ce qui explique la présence des experts agricoles de la CEDEAO à cette rencontre annuelle sur l'agriculture en Afrique. Sustainable. Scalable, and for the people. Ladies and gentlemen,